Bonjour à toi, je suis Fanny Ouamara. Tu me connais peut-être déjà si tu suis ma chaîne YouTube ou si tu es passé sur mon site Clic Entrepreneur, ou peut-être que tu reçois mes mails concernant le business de la vente de gâteaux. Aujourd'hui, je veux te parler de mon programme d'accompagnement qui est en fait un programme de formation et d'accompagnement. Ça peut t'intéresser si tu fais partie des personnes qui sont passionnées par la pâtisserie, par les gâteaux décorés, le cake design, et qui veulent en faire une activité génératrice de revenus, qui veulent en faire une profession, qui veulent vivre de cette passion. Ou alors tu t'es déjà lancé, tu vends déjà des gâteaux, mais tu n'as jamais pris le temps de te dire comment puis-je transformer cette passion en une véritable entreprise et pouvoir vivre de cela et gagner ma vie avec cela. C'est pourquoi mon programme d'accompagnement a été conçu pour mettre cela en place. Parce que simplement, avant de me lancer, j'ai été aussi amatrice. Je me suis lancée dans la pâtisserie par passion, juste parce que j'aimais ça et j'aimais faire plaisir aux gens. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à me projeter, à faire un site internet, à faire des pages de réseau, à commencer à passer un diplôme pour me perfectionner, à commencer à vendre des gâteaux, avant de lâcher mon travail. J'ai mis 3 ans à avancer petit à petit et j'ai fait des erreurs, j'ai appris plein de choses durant ce parcours-là. Et c'est en fait tout ce parcours que j'ai résumé et je me suis dit, je pense qu'on pourrait vraiment se lancer plus rapidement et être performant plus rapidement si on est équipé. C'est pourquoi mon programme d'accompagnement est axé sur, bien sûr, de la formation, parce qu'il y a des modules en ligne où je parle de vraiment du côté business, parce que vendre des gâteaux, ce n'est pas que vendre des gâteaux, c'est aussi être un entrepreneur, un chef d'entreprise qui va savoir faire des choses de manière rentable, de manière stratégique, de manière réfléchie. D'où l'intérêt de ne pas simplement savoir faire des gâteaux, mais de aussi savoir comment est-ce qu'on les vend, comment est-ce qu'on a des clients, comment est-ce qu'on peut vraiment en vivre, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec cette passion qui est particulièrement coûteuse pour le cake design et qu'il faut vraiment trouver un moyen de transformer cela en une activité professionnelle. Que tu sois en France, en Europe ou même en Afrique, je connais comment dire, j'ai déjà expérimenté les deux facettes et je peux t'aider dans cette démarche-là. Donc, j'ai acquis de la connaissance par rapport à mon expérience, mais je me suis aussi formée pendant 4 mois à l'entrepreneuriat, à la création et au développement d'une entreprise. Donc, j'ai appris plein d'outils que j'ai pu mettre en pratique dans mon propre business. Et surtout, j'ai appris à avoir une posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, une posture de personne qui est sûre de ce qu'elle fait et qui sait ce qu'elle fait, simplement parce qu'elle a tout calculé, parce qu'elle a tout mis sur pied, elle a tout mis sur papier. Donc, on ne fait plus les choses au hasard, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, et on a des indicateurs qui nous disent si on est dans la bonne voie pour pouvoir vivre de cela ou non. Donc, c'est un peu tout cela que j'ai mis dans cette formation, et c'est en fait un échange parce qu'il y a le côté formation en ligne où tu auras des modules que tu vas suivre hein, en ligne. Il y a 10 modules pas à pas où tu peux commencer à suivre sur déjà tes motivations, ton image, qu'est-ce que tu veux raconter avec tes gâteaux. Ce n'est pas que des gâteaux qu'on vend, c'est une histoire aussi. Comment tu vas faire ton marketing, ta communication, où est-ce que tu vas chercher tes clients, qui seront tes clients par rapport à ce que tu cites, par rapport à ce que tu veux vendre, qu'est-ce que tu vas vendre, quel type de pâtisserie tu vas vendre, quelle taille ils auront, quel prix ils auront et à qui. Et comment tu vas te lancer? Si tu es en France, il y a une problématique de laboratoire. Comment tu vas faire pour vraiment pousser cette barrière de laboratoire et pouvoir quand même continuer ton aventure? Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y en a. Et j'en parle dans ma formation. Et si tu es en Afrique où le CAP n'est pas un diplôme qui est obligatoire, mais il faut avoir une compétence, et qu'est-ce que tu peux faire pour te démarquer de la concurrence? Comment tu peux faire des choses de manière propre, de manière vraiment professionnelle, pour te démarquer dès le démarrage et qu'on te prenne au sérieux? Et bien évidemment, ça se reflète aussi dans tes prix. Comment tu vas pouvoir vendre tes gâteaux à un prix plus élevé que les autres et que les gens vont quand même acheter? Tout cela, ce travail, ce n'est pas du fait du hasard. Donc, il y a des méthodes qui existent déjà, des notions qui existent déjà, que j'ai simplement voulu apporter à la connaissance des cake designers. Car moi aussi, j'ai eu un début où j'ignorais totalement toutes ces choses-là, en fait. Et je trouve ça injuste de ne pas les connaître.
quand on veut se lancer dans la vente des gâteaux et qu'on a que le côté savoir-faire de pâtissier, mais qu'on ne connaît pas du tout l'univers de l'entreprise, l'univers de comment est-ce qu'on gère une entreprise. Et c'est vraiment la partie la plus importante pour moi. Parce que si vous êtes le meilleur cake designer de la planète, ou le meilleur pâtissier, mais que vous ne savez pas comment fonctionne le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, ça va être hyper compliqué de vivre de votre passion. Donc c'est simplement le message que je veux transmettre aujourd'hui. Cette formation, je souhaite faire une promotion aujourd'hui parce que la prochaine session va être lancée la semaine prochaine et je vais faire une offre pour les trois premières personnes qui vont s'inscrire. Donc ils vont m'envoyer un mail pour me dire oui Fanny, je suis intéressée par ton accompagnement et je souhaite m'inscrire. Donc les trois premières personnes qui vont s'inscrire, ils auront une remise de 30% sur le prix, sur la valeur de cet accompagnement. Et la quatrième personne va devoir payer au prix normal qui est affiché sur le site internet que je vais mettre juste en barre de la vidéo. Donc c'est un petit peu mon message pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore au courant de cette formation, je t'invite à aller regarder ce que je propose sous la page de présentation. Et si tu m'envoies un message, je t'enverrai le plan un peu plus détaillé et ainsi que le lien pour pouvoir régler ta place et commencer l'aventure avec moi dès la semaine prochaine. Ça dure sur 3 mois, on peut aller à ton rythme, mais le but c'est qu'au bout des 3 mois, tu puisses vraiment avoir ton plan d'affaires, ton plan de lancement et que tu puisses commencer à mettre en place tout ce qui a été décidé. À dérouler tout simplement la stratégie qui a été décidée pour toi par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ta vision, à tes envies et à ta mission aussi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vends des gâteaux pour faire rêver les gens, simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Toute information est juste en barre d'informations et je reste à ta disposition pour toute question.